Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors, voici une guidance avec le tarot du docteur Papus aujourd'hui. J'ai envie de l'utiliser un peu plus pour pouvoir en avoir plus la maîtrise aussi. J'ai envie de te montrer cette carte-là, la carte du monde, parce qu'elle me parle beaucoup ces derniers temps. Elle apparaît aussi très souvent. Tu peux voir qu'on a le talisman du soleil ici. Ça, j'aime beaucoup avoir le talisman du soleil sur les cartes parce que il apporte justement toute sa lumière, il apporte de l'énergie, il apporte de la vigueur aussi. Et là, c'est le monde. Le monde, c'est le monde où c'est le zéro aussi, hein, d'accord? C'est le voyage du fou. C'est justement avoir conscience que nous sommes un. Et que notre univers est pluridimensionnel, que tout est relié. C'est changer notre perception justement sur le monde, c'est prendre aussi notre place dans cette vie-là et comprendre en fait tout ça. Je dirais saisir que nous sommes uniques, que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Que tout ce qui se joue ici, maintenant, au moment présent, va transformer le passé et le futur. Que tu as justement, tu tiens les rênes de la vie et que c'est toi qui crée ton futur. Ça, c'est important de garder les rênes de ta vie, de garder le volant de ta vie et d'avancer. Oui, c'est aussi cette notion d'avancer avec notre bagage également. Voilà, le fou ou le 22. Elle me parle beaucoup. Alors, il y en a qui disent 21 ou 22. Et c'est marrant parce que moi, j'ai appris différemment le 0 ou le 22. Bah, écoute, si tu as des notions là-dessus, n'hésite pas à... Je vais tenter de laisser libérer les commentaires. Si j'arrive pas en fait à remettre, je les avais enlevés. Bon, pour pas être embêté, des fois on a des commentaires vraiment désagréables. Mais c'était pas tant pour ça, c'est que... Quand j'aime bien pouvoir lire tous les commentaires, j'aime bien surtout pouvoir y répondre. Et en fait, il y en avait trop, j'avais de moins en moins le temps de pouvoir les lire et y répondre aussi. Certaines personnes échangent avec moi par mail et j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus intime. Mais je pense que je vais ouvrir un réseau en fait, sur Telegram. Je vais voir comment ça fonctionne, je ne connais pas bien, pour qu'on puisse vraiment échanger, que je puisse vraiment discuter avec vous, mais dans quelque chose de plus intime, hein, voilà, entre nous en fait. C'est ce qui me manquait et je trouvais qu'il y avait un caractère. Ça manquait d'intimité dans les commentaires sous les vidéos aussi. Donc je ne savais pas trop comment faire. Je vais tenter, parce que je ne retrouve pas, de rouvrir les commentaires sous cette vidéo-là. Je ne sais pas si c'est possible. Si je n'y arrive pas, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail à lesacréféminin@gmail.com. Ça me fait vraiment toujours plaisir de pouvoir vous lire. Le 22, voilà, je te parle de cette carte parce qu'encore une fois, elle apparaît très souvent ces derniers temps et j'avais envie de te partager ça. Je vais faire un tirage après, bien évidemment. Ici, tu vois, il y a écrit l'absolu, réalisation, le grand œuvre, hein, le grand œuvre alchimique et triomphe certain. Pourquoi elle apparaît souvent? Peut-être par rapport aussi à l'époque dans laquelle nous sommes en ce moment. Ça appelle vraiment à un espoir, à pas sombrer dans ce qui est noir aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'elle sort. Moi, je te laisse toi te faire ta propre interprétation. Ça, c'est les miennes, mais j'aime bien que tu t'appropries voilà, les guidances que je fais. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse la faire ensemble, cette guidance, qu'on puisse la co-créer ensemble. Donc, avec tes connaissances à toi, par exemple, il y a des lettres hébraïques. Aussi, tu dois connaître le tarot. Moi, le tarot, je le connais un peu moins. Avec ta connaissance du tarot, tu peux vraiment enrichir, compléter cette guidance. Et puis, avec les lettres hébraïques ici, écoute, si tu connais d'autres choses ici, d'autres... Voilà, regarde. Moi, que je ne connais pas, je suis en train de l'apprendre, mais c'est le tarot des... Il est beaucoup basé sur le tarot des bohémiens en fait. Hein. J'ai un livre qui est super vieux, qui date de 1800 et quelques sur la question. Je l'étudie, mais alors c'est pas chose simple.
parce que c'est juste une passion chez moi. Mais regarde, hein, s'il y a des symboles que tu connais beaucoup mieux, tu peux eh bien aussi les utiliser. J'étais où? Oui, j'étais sur. On parle de l'arcane 21 ou 22, 0 ou 22, alors je ne sais pas trop. Ah oui, 21, parce que oui, effectivement, parce que le monde c'est le 21 ou le 22 aussi, oui, on peut trouver ça également. Mais moi, quand j'ai appris le tarot, je l'ai appris avec Françoise Bitton, l'auteur du tarot essentiel, j'allais à ses ateliers. En fait, elle reliait la lame 22 au zéro. Elle parlait du voyage. Oh, pas, le zéro, c'est le voyage du fou. Ici, il est vraiment question, de toute façon, on l'a compris, d'accomplissement, de récompense, hein, de célébration aussi, moi je dirais. Ici, c'est la réalisation de ce que l'on souhaite, hein, on parle de réalisation du grand œuvre, et c'est la fête, c'est la joie. Pour moi, il y a quelque chose qui a amené là. Je pense qu'il est question de ne pas oublier ce soleil intérieur, cette lumière intérieure qu'on a, quelles que soient les difficultés en fait que tu affrontes et que tu as affronté dans le passé. On te dit que de toute façon, ton triomphe, il est actuel et il est applaudi. On dit ici qu'un voyage, un nouveau voyage devient peut-être possible aussi. Voilà. Le soleil, ici on ne voit pas le soleil. Si, le soleil, on l'a, il est à côté en fait. Regarde, c'est intéressant parce que sur les cartes traditionnelles du tarot, le soleil, tu as deux chérubins et le soleil, il est derrière. Tu as deux petits chérubins, deux petits anges, et le soleil, il est derrière. Souvent, on peut avoir la carte du monde dans le soleil aussi. Donc, d'où le monde. Là, on ne l'a pas, mais le soleil, on l'a à côté, tu vois. Et donc, ce soleil, ça symbolise vraiment le succès, en fait. Et le cercle du soleil, ça symbolise l'accomplissement aussi. Et dans le tarot traditionnel, les petits chérubins, ils peuvent tenir, enfin, soutenir le soleil. Donc il y a une élévation, il y a un triomphe et c'est marrant parce que dans la dernière guidance que j'ai faite, c'était pour les célibataires, les sacrés féminins seuls. Eh bien, au centre, il y avait la plus belle carte du jeu, l'As de trèfle, qui correspond justement à la carte du monde dans le tarot, qui nous parlait aussi de réussite. Donc voilà. Alors, là, j'ai pris les arcanes majeures. Voilà. Et j'ai pris aussi les coupes. Voilà. Tu vois, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Voilà. Les coupes, c'est le domaine amoureux. Donc, on va faire une guidance dans ton domaine sentimental. Voilà. Par contre, je vais hop, mélanger les cartes comme ceci. Hop. Voilà. On va les mélanger. On en aura. À l'envers, on en aura à l'endroit. On va mélanger les cartes du monde. Les cartes du monde, je suis vraiment avec le monde là. C'est vraiment ce qui se passe mondialement en fait. je pense. Et c'est pour ça que la carte du monde ressort beaucoup chaque fois que je bats les cartes. J'aime bien battre les cartes, mais sans penser à quoi que ce soit, et pour voir ce qui ressort. Et tout le temps cette carte qui s'éjecte en ce moment. Donc je voulais t'en parler, c'est pour ça. Tiens, j'en ai une qui est tombée. On va la prendre. Hop, on va la mettre là. Voilà. Allez, on va rassembler le jeu. Et on fera avec les interprétations à l'endroit et à l'envers. Si toi, qu'il y a quelque chose qui te parle, note-le, prends un papier, prends un crayon. J'ai envie de faire vraiment cette guidance avec toi. Et voilà, ce serait super, super chouette. Oups. Non, pas trop. Alors, c'est un jeu ancien, mais il est vraiment. Quand je l'ai acheté très cher. C'est un jeu de collection. Il est vraiment en excellent état, quoi. C'est incroyable. Il a été conservé dans un état avec un papier noble, hein, vraiment noble. Non. Ah ben voilà. Ça, c'est. Ah ben j'en ai deux.
Eh ben, ça tombe bien, on va le faire en croix. Donc 1, 2. Bah, du coup, j'ai vu celle-ci en premier. 3, 4. Et je recouvre. Oh, bon. Bah, j'ai que des coupes. Enfin, j'ai que des coupes. Oui, c'est un peu normal puisque je n'ai pris que les coupes, mais c'est pas ça que je veux dire. Je n'ai pas beaucoup de lames majeures, en fait. Dis donc. Mince. Je sais que j'aurai le droit de recouvrir dans tous les cas. Donc c'est pas très grave. Alors, on a l'empereur. On a l'empereur, mais notre empereur, malheureusement, bah, il est complètement. Il est à l'envers, notre empereur. J'aime pas trop quand l'empereur est à l'envers. Ça me. J'aime pas bien, en fait. L'empereur nous parle d'action, de paternité aussi. Donc peut-être que le fait qu'il soit à l'envers, ça nous parle du fait que bah, la société paternaliste, elle est en train de, bah, d'être à l'envers, hein, peut-être de s'écrouler aussi. C'est relié au signe du bélier, l'empereur. Alors quand il est à l'envers, ici, donc ça me parle de l'état d'esprit, de ton état d'esprit. C'est l'état d'esprit du consultant ou de la consultante ici, hein. Donc. Ici, on peut avoir quelqu'un qui est assez entêté, qui peut vouloir diriger les autres. Moi, je crois que ça nous parle vraiment du monde, en fait. Tu prends la guidance comme tu veux, ou pour toi, si ça résonne, ou en général, par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Tu peux faire le lien, parce qu'il y a des petites choses parfois qui sortent comme ça. Même si ici, le but de la guidance, c'est d'être dans ton domaine sentimental, puisque je n'ai pris que les coupes. Ça se fait hein, de prendre juste ben, par exemple les deniers si c'est dans le domaine financier, les bâtons si c'est dans je crois le domaine matériel, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici on te dit que tu peux être la victime de quelqu'un qui est possessif, entêté. Ça peut être toi aussi, mais moi je pense que tu en es peut-être plus la victime. On te dit aussi que tu peux être victime de ton propre comportement aussi. On parle ici donc de possessivité, d'entêtement, de contrôle, de vouloir contrôler les autres aussi. On peut être victime de son propre comportement parfois aussi, hein. On essaie peut-être de dominer aussi une situation ou une personne. Enfin, il y a cette notion de d'être dans le contrôle par rapport sur l'autre. On peut être, tu peux aussi être victime de cette personne-là. Ici, c'est ce que te dit l'empereur à l'envers. Hein. Moi, ça me parle beaucoup plus de ça quand même, de soi-même ou d'une autre personne. Où il y a une notion d'un petit peu de perdre la mesure. Et on te dit ici qu'il est temps de faire marche arrière. Hein, attention, il est temps de faire marche arrière ici. Donc si on avance ensuite, là c'est ton état d'esprit. Ici tu auras la réponse à ta question. D'accord? Là c'est la réponse à la question. Ici c'est ce qu'il y a à travailler, à développer, ce qui est invisible. Ici c'est ce qui va aider ou pas. Hein, les forces majeures, les forces évolutives ou involutives par rapport à ta question, à la réponse à ta question. Voilà. De temps en temps, j'aime bien faire ça. Donc, on a le 3 de coupe ici. Et le 3 de coupe, eh bien, il est à l'endroit. C'est ça qui est bien. Là, toutes mes coupes sont à l'endroit, par contre. Et c'est un amour qui grandit. On parle de guérison. Donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui n'est pas visible, de croissance, de guérison. Ici, on peut parler d'un enfant à naître aussi également. Et ça peut être une naissance comme ta créativité qui émerge. Tout à coup, donc il peut y avoir de nouveaux projets qui sont encore intérieurs, mais qui, il y a des choses qui poussent en toi. En tout cas, il y a un amour qui grandit et on a une relation qui peut passer à un niveau supérieur. Ici, c'est marrant parce que c'est pareil, dans la dernière guidance, on parlait de promesses d'engagement et justement, il s'agit d'un niveau supérieur, oui, d'engagement aussi. Donc, il peut y avoir aussi le désir d'un projet d'enfant aussi, puisqu'on parlait d'un enfant.
à naître éventuellement. Ça peut être aussi un projet d'enfant. En tout cas, il y a une relation qui est sur le. Parce que si je regarde tout de suite après ce qui va aider, je peux vraiment voir avec les deux cartes là qui viennent que oui, il y a une relation qui passe à un niveau supérieur. Et on va sur quelque chose de très concret, de très sérieux ici. Et dans quelque chose qui prend forme, hein, c'est-à-dire que là pour le moment c'est intérieur, mais c'est quelque chose qui va prendre forme par la suite, surtout on a un as de coupe là. Donc l'as de coupe, là c'est la réussite, hein, il n'y a pas de problème. Hein. As de coupe, as de cœur. Hein, voilà. Les coupes c'est les cœurs c'est les coupes. Donc ici, il y a une célébration. On parlait de célébration d'ailleurs tout à l'heure avec le soleil, et il y a cette notion de célébration ici. Il va y avoir des... Moi, je pense que Noël va être sympathique malgré ce qu'on vit là, ce reconfinement. Mais on a un Noël là qui va vraiment être sympathique. On va célébrer, il va y avoir cette joie de se retrouver. Parce qu'on va se retrouver, hein, c'est sûr. Hein. Enfin, moi, dans ma tête, c'est ça. J'ai pas envie de me poser de questions par rapport à ça. Mais si, si, il va y avoir des moments de partage. J'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, il y a des relations, des liens qui vont se renforcer, vraiment, qui vont être plus forts, qui vont se renforcer, que ce soit des liens d'amour ou d'amitié aussi. Et le 3, c'est une guérison. Il y a aussi cette joie d'enfant. Moi, je ressens cette joie d'enfant, et cette joie d'enfant, elle te rajeunit en fait. Voilà, il peut y avoir un rajeunissement physique aussi, mais aussi affectif. Il y a une nouvelle. Un nouveau souffle, une nouvelle impulsion, ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà, il a l'endroit. Hein, réussite. Ah bah oui, tiens, j'ai pas vu, tiens. C'est super. Voilà, regarde, je te le montre. Réussite. Voilà, réussite. Et donc, ça c'est dans ce qui est encore invisible, n'est-ce pas? Mais on voit que ça va passer au visible. Hein. C'est invisible, mais on te dit que ça va se concrétiser. Et oui, c'est confirmé avec l'as de coupe. Franchement, voilà. L'as de coupe, lui, eh ben, il nous parle d'amour, bien sûr, mais c'est surtout il confirme cet épanouissement, hein, sentimental, un épanouissement affectif. Et aussi, il renforce cette notion de créativité aussi. Ça peut être aussi, mais carrément, on parlait de liens d'amitié qui se renforçaient, ça peut être carrément enfin, des relations amicales qui deviennent des relations amoureuses, en fait. Et ici, moi, je pense qu'à Noël, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et il y a cette notion aussi de tomber vraiment fortement, passionnément amoureux d'une personne. Ou alors, c'est d'une situation. On peut relier aussi les coupes au domaine spirituel. Ou alors à un appel spirituel, justement. Quelque chose à. On parlait de créativité, de création. Donc, tout ce qui peut être du domaine artistique aussi. Un appel intérieur comme ça peut être une passion, c'est pas une passion, un amour, mais pour une activité, pour quelque chose, pas forcément pour une personne. L'as de coupe, il te parle des deux. Et c'est marrant parce qu'on nous parle toujours de grossesse, de maternité, peut-être de rentrer les deux pieds dans sa maternité, on a des projets de bébé. Il y a quelque chose ici, hein. Il y a le déborde, la coupe, elle peut déborder, on peut imaginer qu'elle déborde. Et bien sûr, la coupe, c'est quoi? C'est la féminité, bah, d'où la maternité et la grossesse. Hein. Et donc ça, c'est vraiment, on voit bien que c'est ce qui favorise, il y a cette notion de passion, cette notion de... Ah, la mère, c'est la matrice aussi, c'est le monde, tu vois? Hein? Il y a quelque chose qui se crée, de renouveau aussi, de naissance. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui. Il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion, une nouvelle. Bah, nouveau souffle, hein, je reviens dessus, voilà. Et ensuite, on a le 5 de coupe en conclusion en fait, de la guidance et en réponse à ta question. Alors, c'est l'héritage, on en parle. Et là, alors, là, on nous parlait table.
Bah, peut-être que justement la table, moi la table, vraiment ici dans cette guidance, je pense beaucoup à Noël. Enfin ça, j'ai vraiment Noël. Il y a des grandes tablées. Il y a vraiment cette notion-là. Grande tablée ou pas, hein, ça peut être un Noël à deux aussi, bien évidemment. Et seul, mais seul avec une célébration. Seul, enfin j'irai soit avec le divin, avec ton divin intérieur, mais quelque chose de fort en fait. Ce Noël-là sera pas comme les autres, mais pour moi il sera plus intense, plus profond, il sera plus relié à l'essentiel, à ce qui est important. Ici, il y a une notion, il y a une relation, dans la relation, on nous parle de décision, une décision à prendre. Ouais. Il y a une décision à prendre. Je te laisse regarder en fait à côté. Tu vois. Tu laisses venir ce qui vient pour toi. On parle de l'alliance d'amour à gauche. On parle du 10 au 20 juillet ici. Tu vois. Regarde les notions qu'il y a à côté. Elles peuvent t'aider. Moi, je ne les connais pas trop trop, mais il y en a vraiment. On sait que ça peut t'aider. Et il n'est pas renversé. Et donc. Dans cette relation, il y a quelque chose pour moi qui doit prendre fin, mais pour renaître, on va tirer une cinquième carte en synthèse, parce que le 5 de coupe, quand même, nous parle de chagrin. Donc là, je me dis, bah merde, pardon. On nous parle de quelque chose qui avance. Effectivement, ça pourrait nous dire que. Il y a une relation effectivement qui doit s'achever, alors qu'en fait il y a de l'amour, alors qu'il y a des désirs d'avancer. Ça nous parle aussi d'une perte de rapport intime aussi également. Mais il y a quelque chose pour moi effectivement qui me parle ici d'une relation. Où il y avait le contrôle, l'un était en contrôle par rapport à l'autre. Pourtant, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Et que pour moi, elle n'était pas amenée à s'arrêter. C'est juste que là, possiblement maintenant, il y a peut-être se dire, bon, bah, on ne sait pas quelle voie prendre, on ne sait pas comment faire, et du coup, on arrête, alors qu'on sait pertinemment que l'amour est là, et on l'a vu avec les forces vraiment qui permettent l'évolution de cette relation-là, alors qu'il y a quelque chose qui est en pleine transformation. Donc, c'est étonnant d'avoir le 5 de coupe là en même temps, je m'y attendais pas trop. On va prendre. Hop, on va. Une synthèse, ben j'ai tout qui tombe. Alors que tout était bien, l'amour est là, l'amour est profond. On l'a vu dans ce qui est. J'ai eu un paquet qui est sorti, je ne vais pas prendre un paquet. Dans tout ce qui est intérieur, l'amour est là, l'amour est profond. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mince, le soleil est à l'envers. Ben alors, on la voit mieux comme ça. Peut-être que, en fait, on est en train de te dire oui, il y a une décision à prendre. Moi, je dirais c'est pas une décision à prendre, c'est plutôt un comportement à lâcher. Tu vois, c'est ce comportement possessif ici, ou alors parce que tu es victime de quelqu'un, c'est l'un ou l'autre, hein. Ou c'est toi qui comporte ce comportement possessif et qui est dans le contrôle et qui domine l'autre, ou alors c'est toi qui en es victime. Dans tous les cas, il y a à cesser ça. Parfois, pour cesser ça, eh bien, une séparation est nécessaire. C'est pour ça qu'on a le 5 de coupe ici. Du coup, je ne sais pas pourquoi je bats les cartes d'ailleurs. Et on a le soleil aussi à l'envers. Je parlais du soleil tout à l'heure, là il est bien sorti effectivement. Pour moi, il demande qu'à briller en fait. C'est-à-dire, c'est juste ce comportement qui empêche finalement de renverser la situation. Donc pour moi, en changeant ce comportement, c'est-à-dire en prenant conscience de ce qui se vit, eh bien les choses peuvent se transformer.
Parce que le soleil, c'est le feu. Le feu, il purifie aussi, il transmute, il transforme, hein, comme l'alchimiste. Il a une lampe philosophique, il la met dans une écuelle, l'écuelle est au-dessus du feu. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui ne se fait pas là. C'est vrai. Mais pour moi, ça peut se faire parce que quand on regarde là, on revient sur cette carte-là, on voit que les choses sont en progression, on voit qu'il y a un accomplissement qui est possible. On le voyait tout à l'heure aussi avec l'as de coupe ici. Donc pour moi, c'est juste un, oui, c'est juste un comportement à lâcher. Il y a quelque chose qui doit simplement être lâché, c'est tout. Parce que bon, je t'ai parlé du soleil tout à l'heure, c'est le succès, le bonheur, c'est la vitalité, bien sûr, l'énergie vitale. Mais ici, en fait, ça nous parle de frustration. Voilà. C'est pas forcément qu'il y a. En fait, si les personnes se séparent, c'est parce qu'il y a une frustration et qu'elles ne savent pas comment faire pour cesser d'être dans la situation dans laquelle elles sont. Voilà. Donc, ça semble aussi. Peut-être aussi qu'il y a des désirs d'enfant, des désirs de grossesse et que tu te rends compte que finalement c'est pas possible avec la personne avec laquelle tu es et que pour toi tu vois pas d'autre moyen que d'arrêter cette relation. Voilà, il y a un retard sur ce que tu souhaites. Il y a peut-être il y a une insatisfaction, il y a des frustrations, c'est ça, ça nous parle de ça. Mais pour moi, c'est lié, voilà, à un manque d'énergie. Tu mets peut-être trop d'énergie à vouloir contrôler la situation. Donc, on te demande dans ce cas-là de lâcher du lest. Ou alors, tu es victime de quelqu'un qui contrôle trop les choses et qui te pompe ton énergie. Et dans ce cas-là, effectivement, ou la personne change de comportement, ou tu es avec quelqu'un de toxique et d'abusif. Et dans ce cas-là, vaut mieux en sortir, vaut mieux partir, effectivement, et arrêter la relation. Et sinon, si c'est toi qui tient les rênes comme ça, qui veut pas les lâcher, mais on va te demander de les lâcher. Et du coup, à ce moment-là, c'est ce que le soleil te dit en fait. Et à ce moment-là, eh bien, les trois de coupe et l'as de coupe prennent tout leur sens. On voit qu'il y a un potentiel ici. Hein, c'est vraiment le potentiel à droite et qui demande qu'à surgir. Voilà. Bon, ben écoute, je voudrais terminer avec une lettre hébraïque. Il est particulier, hein, ce petit tirage-là. On avait la lettre hébraïque, mais. Oh non, on va laisser celle qui vient. Tiens, on va laisser celle qui vient. Celle qui vient à toi. Elle va nous laisser un petit message, cette lettre hébraïque. C'est le tarot des lettres hébraïques, justement. Il est beau. Moi, je tire une carte souvent, mais je reste en contemplation devant. Celle-ci, elle a voulu se retourner aussi. On va la garder sévère, j'aime bien en plus. C'est le... Je vais prendre l'autre. Hein. Il y en a une autre qui est là, tu vois. Mais elle est ce vert, avec la lumière au-dessus, je ne sais pas si. Non, tu vas peut-être pas voir autant ce vert tant je rapproche. Voilà. Mais il est magnifique en fait. C'est un vert qui. Oh, un vert émeraude là qui est juste splendide. Les lettres hébraïques, je les connais pas comme ça, mais elles vibrent en moi en fait. Elles me parlent beaucoup et je ne trouve souvent pas les mots. Là, on est relié au chakra du cœur pour moi avec cette couleur qui est vraiment mais magnifique. 14, 1 et 4, c'est 5. On a ça. Et je te parlais du grand œuvre tout à l'heure avec la carte du monde. Eh bien là, il est question aussi, Noun, c'est la gardienne du grand œuvre. Voilà. Son signe astrologique, c'est le scorpion. Comme par hasard, on est dans le scorpion en ce moment. Elle est sur un rayonnement vert émeraude. On te dit, c'est pas moi qui te l'invente. Hein. Et en fait, Noun, c'est justement, bah, ça va complètement avec le tirage, c'est la rencontre avec son ombre. C'est justement aller voir en toi. Bah là, on parlait de contrôle, de possessivité, de dominer l'autre. Et c'est quelque chose qui semble un peu
qui surgit comme ça de nulle part, que tu n'arrives pas forcément à contrôler, on te demande d'en prendre conscience. Mais c'est aussi la rencontre avec son ombre, et on est en plein dedans avec ce qui est en train de en scorpion, là, avec ce qui est en train de se passer en ce moment de grand changement, parce que la notion clé de Noon, ce sont les moments de grand changement et de basculement, comme par hasard. Et il y a cette notion d'apprendre la patience aussi, et la notion clé, on a la Vierge noire aussi. Donc en fait, Noon vient bousculer nos anciennes habitudes. Bon, bah oui, hein, je pense qu'on est carrément là-dedans. Hein. Et on te dit aussi que, donc c'est pas évident en fait de voir. Et elle bouscule toutes nos habitudes pour nous permettre de réaliser un petit peu, peut-être de s'arrêter, de regarder le moment présent, de réaliser la beauté de la vie, la beauté de l'amour avec un grand A aussi, de revenir à l'essentiel, à ce qui est important. Et elle nous demande de ne pas nous endormir sur le chemin. Et parfois, ça prend. Comment ça se matérialise, matérialise ça? Eh bien, c'est de vivre des épreuves qui nous déstabilisent. On est en plein dedans. Et en tout cas, on te dit qu'elle est l'alliée de ton âme, en fait, de ton âme de lumière. Et elle te pousse à grandir, justement, en allant voir dans tes profondeurs. Elle nous emmène dans les profondeurs de notre être. Aller voir cette ombre, notre ombre avec un grand O. C'est-à-dire cette partie de nous qu'on ne veut pas aller voir, qu'on refuse de regarder parce qu'elle nous fait peur, parce qu'on ne l'aime pas. Du coup, on la renie complètement. À la limite, on est dans le déni. Et en fait, bah, ça me parle de ça. Peut-être qu'avec ce qui se passe, tu t'es mis à avoir une attitude, un comportement où tu ne te retrouves pas, où tu dis, mais non, c'est pas moi. Ben si, mais c'est une partie de toi qui demande à être vue, regardée et aimée. Voilà. Et Noon met ça en avant. Voilà, là c'est moi qui te le dis, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, même si c'est horrible. Voilà. Et c'est aussi de t'aimer avec toutes les parties de toi. Donc Noon met de la lumière dessus. Voilà, bon, j'irai pas plus loin parce que ça pourrait être beaucoup. Enfin, il y aurait énormément de choses à dire et ce serait 10 fois trop long. Mais voilà, c'est de ne pas juger aussi, voilà, cette ombre, ces faces cachées de toi, de ne pas les rejeter, parce qu'on a tendance à rejeter ces parties de nous-mêmes. Bien au contraire, c'est d'apporter beaucoup de bienveillance, de compréhension, d'indulgence sur cette autre partie de toi, qui à ce moment-là, quand tu mets de la lumière dessus, quand tu l'accueilles, quand tu l'aimes, ne va plus t'influencer, ne va plus, en fait, tu ne pourras plus être en réaction à partir de ça, bien au contraire. Voilà. Elle n'aura plus. Elle ne s'exprimera plus de manière négative, cette partie-là de toi. Parce que tu auras mis de l'amour, de la lumière dessus. Et l'autre carte, c'est P. Ben, de 14, on passe à 17. 14, 1 et 5, c'était grand changement. On a dit que c'était un moment de grand changement. Et du coup, peut-être que P ben, va être la conclusion de notre tirage, puisque j'ai une carte qui s'est échappée en plus. Et P, ben, c'est le verbe créateur. Voilà, c'est la bouche, c'est Vénus. c'est le chakra sacré, P. P, c'est le féminin pour moi. Hein, c'est le bas du ventre, là où on a le centre d'énergie vitale, le hara, H-A-R-A. Ici, il y a cette notion aussi d'exprimer, de s'exprimer pleinement. Il y a quelque chose, on dit que quelque chose a besoin d'être exprimé. Mais attention à ce qui est dit, tu vois. Bah, peut-être que dans le comportement, quand tu es en contrôle, tu dis des choses qui sont trop fortes. Et attention, il y a cette notion à apprendre à écouter l'autre. Et moi, j'irais plus qu'à l'écouter, à l'entendre. Voilà, quand tu écoutes. À ne pas être en train de penser à la réponse que tu vas donner à l'autre ou à le critiquer, le juger dans ce qu'il dit, mais vraiment venir l'écouter, vraiment venir l'entendre et du coup aller à sa rencontre. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut t'aider justement dans le relationnel et c'est ce que P t'amène en fait. Voilà. P t'amène aussi à oser t'exprimer tel que tu es,
à oser exprimer tout ton être, à oser être toi et à oser te montrer, à oser ta différence, justement. Voilà. Évidemment, c'est bien plus profond que ça, mais voilà, j'essaie d'amener une notion plutôt en rapport avec, avec la guidance d'aujourd'hui. Voilà. Elle te dit aussi attention aux paroles qui se font à partir d'une réaction. Peut-être respirer 3 fois avant de parler, quand tu es touché intérieurement, de manière à ne pas regretter ce que tu dis. En fait, paix nous amène au discernement nécessaire pour une parole juste et libre. Elle t'invite, paix, à revenir vraiment dans ton cœur, dans ces moments difficiles. Voilà. Attention aux paroles agressives, mensongères, qu'elles soient reçues ou exprimées aussi, parce qu'elles laissent des empreintes indélébiles parfois. Et en fait, paix est là pour t'aider, vraiment. Paix, elle est là pour t'aider et elle te dit en fait de dire des mots doux, que chaque parole, d'avoir des paroles d'amour, voilà, et de manière à tisser des liens de lumière avec bienveillance avec toi-même et les autres. Voilà, pour cette petite guidance particulière, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me laisser un petit mail. Je vais essayer de rouvrir les commentaires. Je ne sais pas si j'y arriverai. On va voir. J'essaie de mettre en place un réseau, le réseau Telegram aussi. Enfin, pour pouvoir créer la communauté du sacré féminin, vous rassembler sur ce réseau-là et pouvoir échanger ensemble de manière plus intime, comme je disais dans la dernière guidance. Voilà, que ce soit un peu plus intime. Merci à toi et je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. C'est une guidance générale, d'accord? Si tu souhaites une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Merci à toi.